Yo la Soul Family, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et donc voilà enfin, la loterie volonté et résolution, donc la loterie double chance de ce mois-ci. Donc voilà, on a enfin les statistiques et les détails et tout des personnages. Donc on les avait hier soir, enfin hier après-midi plutôt, sur FYQ, donc le site buguait toute la journée et tout ça. Mais moi ça m'intéressait pas de vous faire une vidéo avec les stats, sans les skills, sans leur pourcentage et tout ça. Donc j'ai vraiment attendu que les stats viennent sur le jeu, comme ça au moins c'est plus clair pour vous et pour moi en même temps. Donc voilà, période de la loterie du 30 novembre 8h du matin au 12 décembre à 8h du matin. Donc un jour après mon anniversaire, le portail s'arrête. De nouveaux personnages de la bataille finale de Karakura débarquent. Les personnages 5 étoiles disponibles sont White Zangetsu, Sosuke Aizen et Ishin Kurosaki. White Zangetsu 5 étoiles possède une force élevée qui rendra ses attaques normales dévastatrices. Il peut également... Ouh, dévastatrice. Ça me fait peur ça. Dis pas qu'il a fleuri. Bref. Il peut également affaiblir ses ennemis avec toutes ses attaques puissantes. Je pense pas qu'il a fleuri. Après éveil vers 6 étoiles, il devient tueur de Shinigami. Et il pourra augmenter la durée des altérations d'état qu'il cause. Waouh, putain, l'affaiblissement, les gars. Waouh, putain. J'avais vu le débilitator, j'avais vu qu'il avait malédiction. Je me suis dit peut-être l'affaiblissement. Je sens l'affaiblissement. Mais là, ben, c'est cool. Putain, l'affaiblissement, ça, ouais, ça fait plaisir. Ne faites qu'une bouchée de tous les faiblards sur votre chemin. Wow, carrément. Ok, là, ben, ils ont pas mâché leurs mots, hein. Bon, Aizen 5 étoiles possède une pression spirituelle élevée et de larges attaques puissantes. Donc la plus grosse pression spirituelle du jeu actuellement. Son attaque puissante 2 est aussi une technique de renforcement. Après éveil vers 6 étoiles, il deviendra tueur de Shinigami. Donc sa deuxième attaque puissante, c'est un boost, donc c'est cool. 33% d'attaque, de concentration et de défense. Donc, devenant tueur de Shinigami, il pourra augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes. Donc, Frenzy, attaque puissante déchaînée. Augmenter la durée de sa technique de renforcement. Augmenter la durée de sa technique de renforcement. D'accord. C'est-à-dire augmenter la durée du boost. Renforcer vous et vos alliés avant d'éliminer vos ennemis. D'accord. Ishin 5 étoiles. Écrasera ses ennemis avec ses attaques normales. Après éveil vers 6 étoiles, il deviendra un tueur de holo et pourra augmenter les dégâts de ses attaques normales pour encore plus de dévastation. Donc tueur holo, pourquoi? On vient d'avoir Zeilaporo. En tueur Shinigami, on a Genryu. Ça aurait été cool, un tueur à rencard en bleu, en AD, on n'a pas ça. Son soul trait renforcé augmente lui aussi les dégâts de ses attaques normales pour un résultat impressionnant. De plus, durant la période de la loterie, les cannes et l'expérience seront doublées dans l'événement que présente Opération Mago. Profitez-en pour renforcer vos personnages. Putain, j'ai bugué les gars, c'est bizarre ça. Bref, White Zangetsu, statistiques de port, hein, 1013 d'endurance, 755 d'attaque, 343 de défense, 331 de concentration et 610 de pression spirituelle. Donc lui, il va faire très très mal sur ses attaques puissantes, sur l'aspect surtout, parce que vous allez voir ses skills, c'est un truc de ouf. Donc tueur Shinigami, c'est bien, celui qui transperce le ciel. Une attaque tranchante constituée de pression spirituelle écrasante qui inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Sous le trait, dégâts d'attaque normale plus 20%. D'accord. Compétences disponibles, attaque normale étendue 20%, attaque puissante renforcée, donc Berserker 40%, il va être cheaté, malédiction 5 secondes, rapidité, attaque normale renforcée 50%, waouh, putain, les bruiseurs à 50%, ça tombe comme de la pluie maintenant, c'est un truc de ouf, waouh, il a 70% de nade de base, c'est quoi ce perso cheaté? Attaque spéciale renforcée, dévastation, mais il est trop fumé le white, c'est un truc de ouf, putain, waouh, brise armure sur l'aspect, waouh. Putain, je me dis pas, waouh, ça va donner un truc de ouf. Là, je suis choqué là. L'Aizen, 989 de pression d'endurance, pardon, 623 d'attaque, 358 de défense, une grosse def, 329 de concentration et 753 de pression spirituelle, la plus grosse pression spirituelle du jeu. En vert, pas mal, pas mal. Je suis pas déçu lui pour sa couleur. Le white non plus, à part que le white, j'aurais aimé que ça soit un perso frenzy, mais bon. Tueur Shinigami, attaque spéciale, incantation complète, cercueil noir. Enferme les ennemis dans un cercueil noir dont la gravité perturbe l'espace-temps, leur infligeant des dégâts colossaux et pouvant les tuer instantanément. Waouh! Comme le Kyoraku là, c'est bien ça! Putain, ça va faire mal. Temps de recharge d'attaque puissante. Donc, lui, c'est un sar. C'est cool avec le boost. Son boost va pouvoir se recharger rapidement. Attaque normale étendue 20%. Attaque puissante déchaînée. Soutien. Attaque normale renforcée 40%. Attaque spéciale renforcée 40%. Ça va, ses skills sont pas mauvais. 40% de dégâts sur l'aspect. Donc, c'est pas mal. Les attaques normales 40% aussi. Donc, c'est cool. C'est cool. Aizen, il fait plaisir. On va voir les persos qu'on a besoin pour le white. Donc, on a besoin de Ichigo Vizard et de Tensa. D'accord, ok. Et pour le Aizen, on a besoin d'Aizen. 4 étoiles et 5 étoiles. D'accord, ok. Donc
On passe au Isshin. 1047 d'endurance, 743 d'attaque, 347 de défense, 311 de concentration et 603 de pression spirituelle. Pas ouf la pression spirituelle, mais bon, l'attaque est assez grosse. Affinité bleue, sa carte est moche. Voilà, je l'avoue, j'aime pas trop sa carte, il est moche. On dirait un, je sais pas, on dirait un pitbull. Tueur holo, volonté brute. Un coup d'épée vers l'avant d'une puissance terrifiante qui inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. D'accord, pas d'altération d'état. Dégâts d'attaque normale 25%, ultra étendue. Compétences disponibles, attaque normale étendue 20%, attaque puissante renforcée 30% de berserker. Attaque normale renforcée 50 aussi. Wouah! Ah bah écoutez, c'est le perso le plus cheaté en AD de base, parce qu'il a 25% d'attaque normale en link, plus 50 de renforcé. Donc ça fait 75% de NAD de base. Tu lui rajoutes 25, 25, 25, ça fait 150% de dégâts des attaques normales. C'est cheaté. Attaque spéciale renforcée, 40% dévastation aussi. Waouh, putain, cheaté les persos. Hein. Donc lui, il lui faut le nouveau Vasto et du Isshin 4 étoiles, d'accord. Voici les fillers. Donc on a Yoruichi Armored, que j'ai pas, que j'aimerais bien avoir. Renji que j'ai deux fois, que je ne voudrais vraiment pas. Kanametosen Mouche, que j'ai pas, je ne dis pas non au cas où je l'ai. Tensu Zaimoniba, j'ai déjà, je ne veux pas de doublon, ça sert à rien. Ichigo Nengai, que j'ai pas depuis un an, qui me fuit, j'aimerais bien l'avoir. Et le Kisuke, que j'ai déjà, en SP2, que j'aimerais pas avoir aussi. Donc voilà, nouvelle carte avènement. Vous êtes au courant, j'ai fait la vidéo hier. Donc on a le nouveau Tensa affinité bleue et le nouveau Vasto affinité violette. Donc voilà, ça vous fait 130 orbes en tout avec les missions. Donc participer à la loterie volonté et résolution coûte 25 orbes spirituels. Tentez votre chance à la loterie fondatrice, ok. Caractéristiques de l'équilibrage de l'événement peuvent être changées sans préavis. Merci de votre compréhension. Donc voilà frérot, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo sur les gameplays. Par contre une vidéo je vais pas parler, je vais juste poster les gameplays et puis voilà, vous de réagir dans les commentaires. Donc voilà frérot, c'était tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Pour les nouveaux surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les anciens, à lâcher un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur BleachWebSoulz. Ciao la famille coupée.